Et bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe du MGS Gaming, bienvenue sur Far Cry 5. La dernière fois, on a allumé le feu avec Sharky et Grace. C'était notre première mission dans le territoire de Faith. On a avancé d'ailleurs très loin dans le territoire de Faith. On est au centre de son territoire. Alors on va continuer. Ici, par exemple. Toute personne à la recherche d'un abri peut se rendre à la prison de Hope County. La prison de Hope County est assiégée. De la mère Virgil Winkler et son groupe de cougars restent à la secte. On va peut-être faire ça. Virgil Winkler. Toute personne à la recherche d'un abri. Ici Virgil Winkler. D'accord. Ici Virgil. Ça c'est quoi ça? Clutch Nix. Ok. On va aller faire ça. On n'avait plus de véhicule. Du coup, c'est par là. On va essayer de se trouver un véhicule, Grace. Été tué. Bon, on a trouvé un véhicule, Grace. J'espère que tu conduis mieux que tu tires. Je plaisante. Voilà. C'est pour avoir tout ça. Qui crie là? C'est là-bas? Face. C'est pas mal, hein? Face. Il y avait rien par là? Là-bas. Salut le cougar, Grace. Il est où? Tu l'as pas eu? J'ai pas vu. Et là, tu s'es arrêté là-bas. On va pouvoir libérer les mecs. Je l'avais eu alors finalement ou quoi? Oh, y a un mec qui est mort là. Oh putain. Il est resté accroché par sa main. Désolé. Il est parti où l'autre? C'est là. À l'aide! Pitié! Une chose est sûre, j'ai entièrement changé d'avis sur la drogue. Je dirais pas que le gouvernement a raison, mais. Mmh. Ok. Oh là, oh là, oh là. Merde, j'ai pris. En plein dans la tête. C'est putain.
Merde. On va rater Grace. Bon, tant pis. On va... Attention, ça va faire boum. Alors nous, notre véhicule, Grace. Autant récupérer tout ça. Ouais, par contre. En munitions. Je trouve en munitions, je commence à être juste là, non? Ok. Il est où l'ours? Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Il est où l'ours? Il est où ce foutu ours? Merde, j'ai perdu l'ours. Je bouge pour trouver une meilleure vue. Fais chier. Allez, go. Oh, la prison. Pas eu? Ah si, putain. Oh. Une munition pour mon AK. C'est la fête quelque part ou quoi? Je trouve un meilleur angle. Attends, fais gaffe. Tu peux récupérer là? Non. Oh. Ah merde, putain, je vais me pencher à gauche comme dans PUBG, mais... J'ai cru qu'on pouvait pique. C'est dommage. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Ok. Je me suis pas senti comme ça depuis l'Afghanistan. J'ai plus de munitions. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On va devoir se battre. Ça explose pas, merde. Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Oh, mais quel ratage. Je
Bon, j'ai plus de munitions. Il n'y a pas de vendeur. Ah, on connaît pas trop la région, du coup on sait pas. Pick-up. Ours noir. T'es monté, t'es pas monté, t'es là. J'ai plus de munitions, Grace. Il faudrait un marchand là. Il y avait un vendeur là. Magasin général. C'est là-bas qu'il faut aller. Grace. C'est là-bas. We love you. Tu pars d'une vie. On va régler ce problème. Ah, il est là-bas. Attends. Je bouge pour trouver une meilleure. Il y a des problèmes, notre vendeur là-bas. Hein. Je change de position. Tue-le. Je trouve un meilleur angle. Putain. Salut. Salut. Vous avez déjà entendu parler des spas au radon? Autrefois, ça faisait fureur en matière de médecine naturelle. Il y en a un vieux pas loin d'ici. La secte y cache des drogues et des armes. Ma vie vaut mieux que ça. D'accord, mais bon bah du coup, il n'y a plus de vendeur quoi. On est baisé. Ok. Fais chier. Change de place. We need ammo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici Virgil Minker. Oui, bah on t'entend, mais... On a besoin d'aide. Je répète, on a besoin d'aide. J'ai besoin de munitions. Vous êtes dans le coin, venez vite! On ne va pas tenir longtemps! Change de position, je peux rien faire d'où je suis. Des cibles! Comment ça, des cibles? Il y avait un beau 4x4, maintenant c'est un quad. Le spawn a changé. C'est parti. Cette musique là. Là-bas, il y a un marchand. Qu'est-ce qu'on est ? Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Autant récupérer tout ça. Il est pas mort ? Je bouge. Attends, je vais faire gaffe là. Il y a un truc là-dedans. Mais il est parti le cerf. Attends, il y a Face quelque part là, non? Allez là.
Bon, je veux bien rejoindre ta secte. Mais je veux pas être ton esclave, hein. J'ai même pas eu le temps de lire. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serai une menteuse. Une manipulatrice. J'empoisonnerai les esprits. Mais... je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Ouais, si ça couche en nous dans l'herbe. Il était une fois une jeune fille. Mise à l'écart par sa propre communauté. Harcelée par ses amis. Pas bien ça, l'harcèlement. Maltraitée par sa famille. Ah, la drogue devint son seul refuge. Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance. Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé un but. Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Il lui demanda si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle, si elle avait foi en lui. Elle ferma les yeux. Et souffla. Le père tint sa parole. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Accepte la foi. Lâche prise. Mais ça, si je saute, ça, je prouve ma foi envers elle. En fait... Laisse-toi guider par ta foi. Plonge. Accueille la parole du Père dans ton cœur. Non, mais moi, je veux pas faire ça, moi. Je refuse, hein. Je ne veux pas sauter. Je veux continuer de vous tuer. Je ne saute pas. Laisse-toi guider par ta foi. Plonge. Accueille la parole du Père dans ton cœur. Mais non, j'accueillerai pas sa parole de merde. Je m'en fous de sa parole. À ce connard. Je veux le buter. Je suis obligé ou quoi? Plonge, accueille la parole du Père dans ton cœur. Il faudrait me le dire si je suis obligé, hein, parce que si j'attends pendant 15 ans...
sauterai pas, je ne sauterai pas. Je suis obligé ou quoi? Laisse-toi guider par ta foi. Oh là là, je vais être obligé de sauter. Accueille la parole du Père dans ton cœur. Je vais pas attendre 15 jours les mecs. Hein. Alors il se passe rien, je suis obligé de sauter. Laisse-toi bon. Guider. Bon, j'ai déjà attendu un moment, tant pis, hein, je suis obligé alors. Accueille la parole du Père dans ton cœur. Je croyais qu'on avait le choix, moi. Bon, bah, tant pis. Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Fallait pas sauter. Fallait attendre. Acte de foi. Tu te sens différent. Tu te sens vivant. Je saurais pas dire le premier pas est le plus stressant. Si c'est juste dans ma tête. Mais on a tous confiance en toi. Suis le pèlerinage. Suis la voie. On se verra bientôt. Problème droit devant. Ouais, laisse tomber. Du coup, nous, on était parti par là. J'avais vu des munitions quelque part, mais je vois plus rien. Et par là, il n'y a pas de munitions non plus. Bah écoute, tant pis, on va aller voir là-bas, à la prison. On verra bien ce qui se passe. Grace. C'est toi qui me bloque là, Grace. Bien, Grace. Un homme à terre! J'ai besoin d'aide! Mais le flingue s'enveille! Toi! Il me faut plus de balles! Tu nous as vraiment sauvé la mise. Ça fait plusieurs jours qu'il s'acharne sur ces murs, mais sans succès. En attendant, on se retrouve dans un sacré merdier. Le camion arrive! Putain! Un docteur! Bon, j'ai besoin que tu montes sur ce mur. Mmh. C'était un petit peu trop facile, je pense qu'on va devoir défendre la prison là. Je bouge pour trouver une meilleure vue. Par contre, on avait des munitions, les gars. Là. Je vais me blesser.
je vois personne. Hein. Compris. Il n'y a pas de visu là. Ouh là, la porte a été détruite, non? Pas de visu, non. Personne, hein. C'est bon là? Ah merde. On a réussi. Bon travail tout le monde. Ah bah ça a été. Prison de Hope County. Roger, s'il y a un fer à souder quelque part, c'est Footy qui s'en servait. Retrouve-le. Toi, suis-moi. Rapporte du métal, et si t'as besoin de dégonder les portes des cellules, fais-le! Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps! Des problèmes? Non, des cinglés ont escaladé le mur, mais c'est bon. La porte? Je crois que c'est pas trop grave, ça va aller, continue d'appuyer. Tu sais, je voulais prendre ma retraite l'an dernier. J'avais peur de me faire chier. Eh, vous faites les présentations ou on va rester là planté comme des connards? Langage! Oh, la ferme, Virgile, pas maintenant. Je te l'ai dit, la vulgarité est un signe de... Tu ne portes pas ton insigne! Non, vous êtes perspicace? Combien de personnes on a perdu? On est des cougars! Pas vraiment, non. Tiens, moi je porte mon insigne. Le shérif aussi porte le sien. Cette personne porte... Désolé, qui est-ce? Ça, c'est l'un de mes officiers. Vous aviez pas dit que vos officiers avaient été enlevés? Non, pas celui-ci. À ce qui paraît, il mène la vie dure à ceux des Dunsgate. Vraiment? Bon, j'espère que vous aimez bosser. Non. On n'aime pas les feignasses. Non, j'aime pas bosser. J'aime juste tuer. Tracy est cool une fois qu'elle te connaît. C'est vrai pour le boulot, par contre. C'est pas ce qui manque par ici. Il suffit de demander, c'est tout. Content de te revoir, toi. Ah, vous avez qu'à bosser, moi je vais prendre mon arme et puis je vais aller tuer des mecs. Ok, bon. Ouais. Ils sont badge de merde. C'est la deuxième fois que je vais en prison. C'est la première fois que ça fait plaisir. On sait pas ce qui sera précieux quand tout sera parti en couille. C'était un territoire tribal avant que les rentes chez le gouvernement. Officier, c'est toi qui parles de couilles. C'est pas mes affaires, mais vous devriez aller parler à Virgile ou à un des autres. Ils savent quels endroits on devrait attaquer. C'est verrouillé. Pourquoi c'est verrouillé?
Faut surtout pas croire un mot de ce que Faith. Viens par ici, gamin. Ah, tu veux me parler, toi? Très franchement, je pensais pas qu'on se reverrait. Dépêche-toi, je m'espère une autre mission. Je me souviens du brouillard. D'avoir marché dans un champ. Et puis je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, pas vrai? Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle puisse promettre, elle ment. Ne t'approche pas d'elle, ou tu risques de finir comme le Marshal. La grâce, ça fait tout oublier. Ça te libère. T'as juste envie de rester là à jamais. Mais tout est faux. Rien n'est vrai. Si Virgile et Tracy m'avaient pas trouvé, j'y serais encore. À nager dans un océan de grâce. Prisonnier de mon propre esprit. Ces deux-là m'ont sauvé. Ces cougars, c'est des gens bien, mais ils vont pas tenir longtemps. On doit les aider. Personne ne le fera sinon. Une dernière chose. Oui. On avait un médecin, enfin un veto, mais il fait de son mieux. Il a disparu depuis quelques heures. Je sais ni pourquoi ni comment. Essaie de le retrouver, d'accord? Salut, Miss. Tu t'en sors, cow-boy? Oui, Charmin, c'est... les missions principales... White Mountain, ça c'est la... Non, non, c'est pas nous, ça, c'est pas maintenant. Non, non, pas suivre, pas suivre. Land Valley, on a... D'accord... Qui aurait imaginé que l'ancienne prison se transformerait en planque pour la résistance? Ton shérif a l'air de savoir ce qu'il fait. Tracy, je la connais, mais elle est pas bien bavarde. Et Virgile, bah... c'est Virgile. J'aime pas trop les politiques. Fais ce que tu peux pour les aider. On se tient au courant. Ça va bien, mon gars? Je crois que tu serais aussi impressionné par ton vieux père. Tout le monde porte un signe de ton équipe. Allez, les cougars! Comment je fais? Attends. Ah, le là. Ils ont pris la station de traitement des eaux et ils empoisonnent tout. C'est ça, les il n'y a rien de mieux qu'à bon. J'arrive pas à croire qu'on tienne le coup depuis aussi longtemps. Bon, c'est un peu agité en ce moment. Vous auriez une seconde? Notre principale mission ici, c'est d'arrêter Face. Elle m'a tout pris. Mon boulot. Mon mariage, même mon fils. Et tout ça pour cette drogue, la grâce. Vous êtes un cougar, maintenant. Une équipe, ça s'entraide. Et j'ai justement besoin de vous, officier. Vous connaissez notre station de traitement des eaux? La secte l'a prise et y injecte de sa grâce. Vous le croyez, ça? Envoyez ça dans l'eau potable! Quel monstre peut faire un truc pareil? Pas question qu'elle continue. Face? Écoutez-moi bien. On va mettre un terme à tout ça, rapidement. Vous en dites quoi? Attention bah ouais, à la brume. Allons-y, le cerveau. Au purifier, une mission principale. Ok. J'aimerais juste profiter de ma journée. Oui. J'ai vu Joseph Seed de près. Salut. Il y a quelques années. Je donnerai tout pour remonter le temps et nous éviter la merde qui a suivi. Engager groupe plein. Envoyer un combattant pour engager. Plus on a la grâce en soi, plus on a de chances de devenir un ange. Je pense qu'on ferait mieux de pas trop prendre. Bonjour, jeune fille. Fais voir un peu. Combattant. Bah, je l'ai déjà, elle. Soldat Elis. C'est pas la même. Là, elle, c'est Suzy. Mais elles sont. Elles se ressemblent. Carrément, je pense. Certains sont prêts à tout pour protéger leurs provisions. La secte a toujours été à la masse. Le reste de l'Amérique ferait bien de s'inspirer de la combativité de Folsand. Nous, on n'apporte quasiment rien d'extérieur. On a tout ce qu'il nous faut ici, et le talent nécessaire... Je vais changer de combattante, Grace. Ça te dérange pas? Je vais prendre elle un peu, sélectionner. Peau dure, meilleure résistance aux dégâts et chirurgien de terrain. Vous récupérez toute votre santé une fois à terre. Ok, à la prochaine. Salut Grace, à la prochaine. Merci d'avoir aidé la prison du comté. À toi. Bon. On
On a du pain sur la planche. Eh, hey, t'es là. Bonne journée, là. Qu'est-ce que je peux faire? Les lois sur le transport du propane. J'ai entendu dire que t'étais dans la bataille de la prison. Boutique. Des trucs à vendre. J'ai pas mal de... pauvre, hein. Rapide, ok. Munitions. Vêtements. C'est quoi ça? Vêtements, tu es spécial. Est-ce que je peux changer de vêtements? masque. Tenue. Ok. Mais comme ça. Bon. Tu protèges la statue 24 heures sur 24. Ça va pas être évident de l'attaquer. Non, mais on n'a pas vraiment le choix si on veut attendre. Bah voilà, on a livré la prison de Hop County. Je vais... tiens, on peut prendre un véhicule, là, c'est cool. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo... Le prochain coup, il y aura ça à faire, Docteur Charles Lindsay. Et puis des petites missions à côté. Les allées et venues de Charles ne disent rien qui vaille. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé. Il y a Nélico aussi, là, si on veut. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce en l'air, la boîte de commentaire. Et puis, partagez, suivez-moi sur Twitch, Twitter. Oui. Si ces gens fabriquent une drogue mortelle, alors ils auront bien mérité leur sort, si vous voyez ce que je veux dire. Yes. Veriez déçu, on a ça aussi à faire la prochaine fois. Merci encore, à très bientôt pour la suite, bisous, ciao.